souvent les histoires sont basées sur les personnages et pas sur un vrai scénario. Même s'il y en a, c'est vraiment les personnages entre eux. À mon avis, c'est ce qui caractérise le plus le manga. Le fait que ce soit plus souple, effectivement les cases sont beaucoup plus éclatées, le côté très rigide franco-belge, c'est sympa, mais quand c'est trop parfait, on s'ennuie un peu des fois. Donc le manga, ça a ouvert tout un univers au niveau de l'expression, de la mise en page, de la façon de narrer les choses avec des onomatopées plus présentes et des choses comme ça. Donc c'est une grande liberté, je pense. J'avais découvert le japonais par le manga en fait au départ et pas l'inverse. Donc je m'étais dit que j'apprendrais le japonais pour peut-être un jour dessiner au Japon. Et puis là j'y suis allée quasiment tous les 2 ans, d'abord avec la fac et puis après pour moi-même. J'y suis allée 5 fois et la dernière fois je l'ai emmenée avec moi. On a visité, on a rencontré des dessinatrices qu'on connaissait juste de lecture en fait, et on a même pu discuter avec deux d'entre elles. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas de place pour les Français au Japon, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de bons dessinateurs là-bas. Ils sont 10 fois plus. Hein. Mais par contre, découvrir plein de choses là-bas, il y a tellement de styles différents et puis beaucoup de choses à découvrir. Ça existe un petit peu déjà, il y a quelques auteurs qui commencent à percer. Et doucement, il y a de plus en plus d'auteurs français qui veulent faire du manga, en fait. On nous a dit que ça se voit à 10 km quand c'est un Français qui a dessiné le manga, même si c'est dans le sens japonais, même si ça se passe au Japon, avec des personnages qui ont l'air japonais, ça se voit, il y a une patte française qui doit être différente, déjà peut-être dans les cadrages, ou dans la façon de narrer les histoires, les découpages sont jamais pareils, je pense. Par contre, il y a aussi dans la BD franco-belge des gens qui dessinent la BD franco-belge qui s'inspirent de codes manga. Et au final, on a une espèce de catégorie au milieu qui fait que c'est pas vraiment de la franco-belge, c'est pas vraiment du manga, c'est inspiré des deux. Et moi, j'aime bien. Ouais. Ça fait une sorte de manga en couleur, mais en plus épuré peut-être. On s'est dit qu'on voulait travailler à deux, faire une histoire à deux. Et quand on est parti à Angoulême, on a été voir les éditeurs un petit peu pour demander des conseils, pas forcément parce qu'on avait un projet. Et il y a un éditeur qui nous a dit pourquoi pas, avec vos univers qui collent assez bien ensemble, pourquoi pas essayer de faire un truc toutes les deux. C'est vrai que les mangaka, eux, ils sont en général, il y en a un qui dessine, l'autre qui encre, le troisième qui met les trames. Nous, on fait un peu tout, mais en fait, on a chacune notre planche quand on travaille. On dessine et puis on se l'échange pour que l'autre puisse corriger et puis après je pense qu'on montrera chacune de notre côté et puis pareil on se corrigera. On voulait faire un manga pour filles mais avec quand même un scénario parce que souvent les shoujo donc sont un petit peu manque d'un scénario derrière et nous on voulait quelque chose, une histoire qui puisse toucher tout le monde et avec le côté magique.